正值上海国际电影节的举办，我们在法国巴黎街头同步进行了一个街头问卷调查和采访，以了解国际尤其是法国大众对华语影视作品的了解。Bah oui, j'ai regardé du coup le film où en anglais le titre c'est Farewell My Concubine et je l'ai étudié à l'université et j'ai bien aimé, c'était un film assez intéressant sur un peu de la psychologie et à l'époque avec un film. C'est plus que un film qu'il a fait Still Life, une mise en scène magnifique, brillante. Et ce rapport à la ruralité qu'il a, ça m'a toujours particulièrement intéressé, venant moi-même de la ruralité et étant venu à Paris. Donc j'ai vu La Cité Interdite et Vivre, basé sur un livre que j'ai lu aussi. Et j'ai trouvé les deux vraiment très très beaux esthétiquement et très bien joués et vraiment un peu des grandes épopées de famille, ce que j'aime beaucoup. C'est le film In the Mood for Love de Wong Kar-wai, qui est un film, je crois, qui a plus de 20 ans maintenant. Il me semble que c'est 2002, il me semble. Voilà. À l'ouest des rails, je pense que oui, c'est tout le côté social en Chine m'intéresse. J'ai oublié de mentionner justement Bigan, en fait, parce que là, je suis en train de repenser à Kylie Blues. Bah, je dirais aussi aussi. Hein. J'aime beaucoup Gong Li. Mais il y en a d'autres, mais Gong Li reste une icône à un moment donné, après je ne sais pas ce qu'elle fait encore. Bah, je pense que j'aurais aimé en regarder plus de manière générale, d'accord, pour avoir un peu plus de connaissances sur la cinématographie chinoise, parce que c'est toujours intéressant. Ouais, toujours être sur des films justement qui m'apportent quelque chose sur... le regard que les cinéastes chinois et chinoises peuvent porter sur la Chine contemporaine ou même sur la Chine d'avant. Je suppose que c'est un pays qui a une grande histoire. Et oui. Mais j'aime aussi ces films qui sont plus historiques et du coup qui ont des très beaux décors. Et c'est une spécialité du cinéma chinois, j'ai l'impression. Plutôt les films de réflexion, de sentiment, d'ambiance que les films d'action avec beaucoup d'effets spéciaux. Ouais, tout l'aspect social. De la Chine contemporaine m'intéresse. Toutes les évolutions de la société, comme c'est un pays qui change très vite, qui change plus vite que l'Europe. Voilà, ça m'intéresse de voir comment la Chine se construit, comment les choses changent.